Bonsoir et bienvenue à cette toute première des préliminaires de la 25e édition des Francouvertes. Place maintenant à la musique. L'hiver frôle la mort, Flavis en revient bientôt. Je crois que tout est en ordre pour aller mieux dans mon cerveau. Les vraies amitiés perdurent, je ne m'en fais pas pour ça. Viens te baigner, on est tellement bien, m'ont-ils dit tous en cœur. Viens profiter de tes 20 ans. C'est l'été indien de ta vie. Je prends mon corps avec moi, je lui fais voir du pays, contempler des paysages de gens heureux à Saint-Henri. La vie paraît plus paisible autour de vous ce soir. Viens te baigner, on est tellement bien, m'ont-ils dit tous en cœur. Viens profiter de tes 20 ans. C'est l'été indien de ta vie. Wow, wow, wow. Bonsoir et bienvenue à cette première soirée des demi-finales de la 25e édition des Francouvertes. De combien de temps t'as besoin encore avant de te reprendre en main, de te retrouver? De combien de temps t'as besoin encore avant de te reprendre en main, de te retrouver? De combien de temps t'as besoin encore avant de te reprendre en main, de te retrouver? De combien de temps t'as besoin encore avant de te reprendre en main, de te Vous devez savoir qu'en cette finale, les compteurs sont remis à zéro. Tous les artistes sont à chance égale de remporter la pole position. En troisième position, le prix est remis à Ambre Ciel. Ambre Ciel, c'est un écrin de velours pour de la musique néoclassique. Un élixir minimaliste avec un savant dosage de pop et de classique. Une potion qui rend léger, qui fait basculer la gravité. En deuxième position, le prix est remis à Calamine. Calamine, ouvreuse de lanterne avec les mensurations sexy de son tour de tête. Les bitches font peut-être des sourires en coin à la Mona Lisa, mais ceux qui écoutent sa musique sourient à gorge déployée, des sparkles dans les yeux. Et en première position, le prix est remis à... Le suspense est insoutenable. Étienne Copé! Étienne Copé, celui qui nous ouvre grand son journal intime et son cœur en ouvrant simultanément le rabat de son piano. C'est ça que fait Étienne, des promesses, mais des promesses tenues. Alléluia!